Salut les tarophiles et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui une vidéo un peu particulière puisque je me trouve actuellement à Chiang Mai en Thaïlande et hier j'ai eu la chance d'aller dans un temple qui s'appelle le Temple d'Argent qui est vraiment une petite pépite, un truc magnifique. Dans ce temple j'ai eu la chance de pouvoir tirer ma prédiction pour l'année 2019 et du coup je me suis dit après tout pourquoi pas faire la même chose avec l'oracle. Alors comment ça se passe? C'est on joue en fait avec un ensemble de baguettes de bois et puis on en pioche une et dessus est inscrit un numéro et on va chercher la prédiction associée au numéro dans différents casiers. Et je me suis dit bah tiens on va faire la même chose avec l'oracle. Alors ici vous avez 12 paquets de cartes, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et je vous propose soit de choisir un des paquets, on peut faire mentalement hein, comme ça, c'est possible, mais le plus intéressant c'est encore de prendre 12 petits morceaux de papier et d'écrire à chaque fois les numéros dessus, hein, de 1 à 12, et puis de les mélanger, les plier pour pas les voir, et puis de les mélanger, et puis d'en prendre un au hasard, simplement en se demandant, ok, à quoi va ressembler mon année 2012, quelle va être l'énergie dans laquelle je vais me trouver, qu'est-ce qui va se produire pour moi, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce que je vais vivre, et puis de voir un petit peu ce qui en ressort. Donc vous pouvez prendre au hasard un numéro ou alors simplement parce que vous voyez l'un des paquets qui vous interpelle. Ça peut être soit le chiffre, soit la forme du paquet, soit en faisant avec ces petits morceaux de papier. Et puis si à la maison vous avez un jeu si vous avez un dé à 12 faces, puisque ça existe, hein, on peut en trouver facilement dans les magasins de jeux de société. Si vous avez un dé à 12 faces, dans ce cas-là, vous pouvez très bien simplement lancer votre dé et puis prendre le numéro qui correspond. Ou alors, je vous propose également, sinon, la chose suivante. Vous pouvez très bien regarder votre thème astral si vous connaissez votre thème de naissance et puis voir dans quelle maison astrologique se trouve votre soleil. Si votre soleil se trouve dans la maison 12, eh bien vous irez sur la prédiction 12. Si votre soleil se trouve en maison 7, eh bien vous irez vers la prédiction numéro 7. Voilà, je vous propose plusieurs solutions et puis vous pouvez simplement utiliser celle qui vous parle le plus, qui vous convient le plus. Et puis vous trouverez du coup dans la description, juste en dessous de la vidéo, vous trouverez les liens menant vers les différentes prédictions. Alors, vous pouvez regarder toutes les autres, il n'y a pas de problème, de toute façon c'est pas gênant. Mais voilà, comme ça vous pourrez avoir votre petite prédiction pour l'année 2019, version tirage de type temple asiatique. Donc voilà, j'espère en tout cas que ça vous plaira. Et puis, quoi qu'il en soit, je vous souhaite tout le meilleur pour cette belle année 2019 qui se présente à l'horizon. Et puis on se retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos. Et puis en attendant, d'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous.